Donc, comment se protéger contre les gaz de combat? Alors, pour ce qui est de la France, une commission des gaz asphyxiants et une commission des études de guerre chimique ont été mises en place à Paris. Ces commissions réunissaient des chercheurs qui étaient chimistes, il y avait des pharmaciens et il y avait des médecins. Alors, ils ont mis en place des moyens de se protéger et le moyen essentiel a été le port de masques. Alors, ces masques ont présenté une évolution tout au long de la guerre. Donc, cela a commencé par des compresses, des lunettes qui étaient à part, puis ça a évolué vers des cagoules, et au final, on avait des cagoules avec des lunettes intégrées. Alors, en quoi ont consisté les évolutions? Alors, les évolutions constituées avec la forme du masque. Il fallait que le masque soit également facile à mettre, le plus rapidement possible. Il fallait que le masque soit étanche. Et si les tout premiers avec les compresses n'étaient pas étanches, les derniers étaient étanches. Mais il fallait travailler sur le fait qu'on puisse respirer tout en ne faisant pas de buée sur les lunettes. Donc tout ça était assez compliqué. Et puis, et surtout, il fallait trouver des antidotes, il fallait donc imprégner des tissus d'antidotes et qui devaient évoluer en fonction des gaz envoyés par l'ennemi. Alors, cette évolution a eu lieu tout au cours de la guerre et en particulier si l'on regarde le masque qui a été le plus fabriqué, il s'agit du masque M2. Alors ce masque, comme on le voit, est une cagoule intégrale. Il possède des lunettes intégrées et il va permettre de tenir 5 heures dans une atmosphère de phogène concentré, ce qui correspond à quelque chose d'extrêmement important. Alors, quels étaient les tissus? Chaque tissu était imprégné. Alors, un tissu était imprégné de thiosulfate, on appelait ça aussi à l'époque hyposulfite. Alors, c'est un produit qui permettait de, si le chlore, le premier gaz qui a été utilisé, rencontrait ce tissu, le chlore était réduit à l'état de chlorure, qui était un composé inoffensif. Si vous aviez du phosgène, donc là, c'était un composé qui attaque les atomes d'azote de vos protéines et de l'ADN, eh bien, on a imprégné un tissu avec un composé à base d'hexamine qui possède lui-même des atomes d'azote. Donc, le phosgène traversant ce tissu était détruit, était fixé très exactement par les molécules d'hexamine contenues dans le tissu. On avait également introduit de l'huile de ricin et de la glycérine. Là, il s'agissait d'apprêter le tissu pour que les produits antidotes restent fixés longtemps sur le tissu. Enfin, pour ce qui est des Français, ils avaient aussi introduit un tissu imprégné d'un composé à base d'ion nickel parce qu'ils craignaient que les Allemands utilisent ce qu'on appelle un toxique général qui est l'acide cyanhydrique. Donc, craignant cet usage, ils avaient prévu dans leur masque un antidote. Les Allemands n'ont pas utilisé, mais les Français ont utilisé l'acide cyanhydrique. Enfin, il y avait un indicateur de fin de réaction, c'est-à-dire qu'il y avait un produit tel que quand le masque devenait obsolète, eh bien une couleur apparaissait, il fallait changer le masque. Pour avoir une idée de l'importance de l'usage de ces masques, le masque M2, qui a été le plus fabriqué, il y en a eu 29 300 000 de fabriqués. 29 300 000 masques M2 fabriqués dans des usines à l'arrière, dans lesquelles c'était essentiellement des femmes qui travaillaient, puisque les hommes étaient à la guerre. Alors, cette évolution a continué avec une amélioration encore plus importante, avec ce qu'on appelle les masques à cartouches. Alors, le masque à cartouches que vous voyez ici est un masque de la guerre de 39-45, mais il ressemble en tout point au dernier masque mis au point pendant la guerre de 14, qui était le masque dit ARS, qui voulait dire A, respiration spéciale. Alors, ce masque est constitué bien sûr d'une partie étanche avec des lunettes, mais ce qui est important, c'est la cartouche. Alors, dans la cartouche, on va mettre des couches successives de produits. Donc, on va retrouver les antidotes que j'ai cités tout à l'heure, le thiosulfate, l'hexamine, mais on va rajouter du charbon actif. Alors, ici, on voit dans cette coupelle du charbon actif, donc qui est une poudre noire, et on voit une noix de coco. Alors, quel peut bien être le lien entre une noix de coco et du charbon actif? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le charbon actif? Alors, le charbon actif, vous connaissez ça.
Vous avez des cartouches de charbon actif dans les hottes de cuisine, par exemple. Donc, quand on vous dit de changer la cartouche de votre hotte de cuisine, vous changez en fait une cartouche contenant du charbon actif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charbon actif et comment il va agir? En fait, il s'agit d'absorber les gaz. Je dis bien le mot absorber. En fait, quand vous avez une paroi poreuse, bon, ça peut être la peau, mais ça peut être tout objet un peu poreux, vous allez avoir dans l'air, vous avez des gaz que vous connaissez, et ils peuvent venir se fixer en surface, ils se fixent, ils repartent, ils se fixent et ils repartent. C'est un phénomène de surface. Autrement dit, il faut offrir une grande surface pour absorber ces gaz. Alors l'idée, c'est de réduire, au lieu de prendre par exemple un morceau de charbon, eh bien vous allez prendre un morceau de charbon, vous allez découper en des milliers, des millions de minuscules petits grains. Donc vous allez atteindre un état de poudre. Et si vous regardez au microscope, vous pouvez avoir un grain non pas sphérique, mais un grain qui lui-même a des formes très tarabiscotées, de telle sorte que par exemple, on peut avoir par exemple 1 cm3 de poudre qui peut représenter une surface réelle d'un terrain de tennis par exemple. Donc ça vous montre que l'état de surface et la forme de la particule va être très importante pour absorber ces gaz. Alors comment fabrique-t-on du charbon actif? Eh bien il faut disséquer, c'est-à-dire vous chauffez à haute température sans brûler, hein, donc il ne s'agit pas de brûler, une matière organique, et en l'occurrence, les produits qui donnent les meilleurs charbons actifs, c'est par exemple les noyaux de fruits. Donc il y a eu, à un moment donné, une collecte, tout le monde avait consigne de ramasser des noyaux de pêche, des noyaux d'abricot, mais ça n'a pas suffi. Alors la France, à l'époque, avait des colonies, et dans ces colonies, il y avait des colonies où il y avait des noix de coco. Et il se trouve que quand vous dessiquez la noix de coco, c'est ce qui donne le meilleur charbon actif. D'où la réunion de ces deux objets dans cette vitrine. Donc, dans ces cartouches, on mettait des couches de charbon actif qui absorbent les gaz et donc qui va être beaucoup plus efficace. Alors, la cartouche, une fois qu'elle n'est plus active, il suffit de changer la cartouche. Alors, il fallait porter le masque. Le soldat ne portait pas le masque en permanence, c'était extrêmement contraignant. Et en l'occurrence, il y avait tout un système pour alerter les soldats et pour leur dire à quel moment ils devaient porter le masque. Alors sur cette image, on voit une cloche au-dessus de la tranchée. Il y avait en fait tout un réseau de cloches, il y avait des postes d'observation. Quant aux postes d'observation, il y avait crainte ou observation réelle d'envoi d'obus qu'on appelait les obus toxiques, les obus qui étaient riches en gaz. Eh bien, il se faisait sonner des cloches et de proche en proche, tout le long de la tranchée, les cloches sonnaient. À l'arrière, dans les villages immédiatement voisins, les cloches des églises sonnaient. Et à ce moment-là, tout le monde devait porter son masque. Et dans les progrès qui ont dû être faits pour le masque, c'était le mettre le plus rapidement possible, pour que ce soit le plus facile à mettre. Sur cette image, on voit un cheval portant son propre masque. On a d'autres photos possibles qu'on n'a pas mises dans cette vitrine, mais on voit des chiens porter un masque. Les chiens avaient un masque avec lunettes. Là, visiblement, on n'avait pas trouvé le moyen, donc ce n'était pas très, très efficace. Alors, ces produits-là, enfin, cette protection-là, a concerné surtout les gaz asphyxiants. Quand l'hypérite a été utilisée, la lipérite attaquant la peau, eh bien, il a fallu imprégner les vêtements, imprégner les tissus, mettre des gants pour se protéger contre lipérite. Alors, lipérite attaquant la peau et faisant des vésicules, faisant des brûlures, il fallait aussi protéger tout ce qui pouvait être touché par lipérite et qu'on le toucherait ultérieurement. Ainsi, par exemple, le pain était conservé dans des tissus qui étaient imprégnés d'antidote pour lutter contre l'hypérite. Donc, vous aviez également des tissus, si vous aviez une petite une guérite, par exemple, qui était protégée par un tissu, le tissu était imprégné également d'antidote, tout ça avec de la glycérine et avec de l'huile de ricin.